Le dimanche de Pâques et sa traditionnelle chasse aux œufs, le Secours populaire a organisé plusieurs chasses à travers la France, dont une dans les jardins des Tuileries à Paris. Pour obtenir son permis de chasse, il suffisait de débourser quelques euros. Les fonds récoltés seront utilisés pour les enfants défavorisés. Écoutez les précisions de Julien Lopêtre, le président du Secours populaire. Il faut rappeler que la première grande campagne du Secours populaire, lorsqu'il est sorti de la clandestinité sous l'occupation, c'était d'envoyer des enfants de déportés, de fusillés en vacances. Et donc nous gardons cette idée de l'enfance. Et là, avec les chasses aux œufs, c'est vraiment de donner aux enfants, en particulier des enfants qui ont une vie si difficile, de leur offrir une journée de joie, de bonheur, comme les autres enfants. La politique.